Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne Buzz Pro Max TV, la chaîne du Japapé du Better. Ouais, c'est ça qui s'agit. Vous savez, non? Nos petites TikTokeuses africaines là, oui. Je comprends quand même pourquoi les gens sont derrière eux là. Oh, quelles sont vos sources de revenus? Oh, vous voyagez comment? Oh, oui. Je comprends bien. Notamment, Jamila, Diallo, Fatou, oui. Vos sources de revenus, c'est quoi? Pourquoi vous voyagez trop? Ouais. Et curieusement, ce sont les mêmes personnes. Hein. Mais quand, oui, ce sont les mêmes personnes. Et je comprends. Vous voyagez pourquoi? Parce qu'on sait que parfois, on connaît que TikTok. TikTok, c'est le fief de la vente du piment. Oui. Oui, oui. Ma femme a TikTok. Elle se fait sur TikTok. Je dis, mon frère, faut voir les messages. J'ai ouvert un TikTok. Elle dit, amuse-toi. Et c'est moi qui réponds, mais c'est moi qui reçois. Je vois. Je dis, un père. La drague sur TikTok, c'est la choignagne. C'est le repère. Oui, c'est ça. C'est le repère. Donc, on se dit, non, ces filles-là qui sont là, non, c'est la vente du piment. Oui. Beaucoup de filles s'inscrivent seulement sur TikTok pour trouver un show. Parce qu'elles font les petits challenges, là, oui. La page n'est même ni monétisée, ni rien. Elle ne fait même pas les lives pour dire qu'elle veut gagner de l'argent. Ces malades viennent là, c'est pas vanne. C'est quoi? Tu cherches quoi? Vous comprenez un peu. C'est ça, ceux-là, je l'ai dit seulement que non. Elle va dire non, elle vient s'amuser, non, laisse. Mais pas tout, peut-être 98%. C'est la vente du piment. Elle cherche soit à vendre le piment, soit à trouver quelqu'un. Vous comprenez un peu, non? Et les hommes ont compris ça. Donc, ils ont dit, wow, drague ici. Wow, je peux venir te prendre. Wow, tu es où là? Wow, tu es en Espagne. Wow, je suis en France. Wow, je viens te prendre. Wow, c'est monté, descendu. Mais alors, il y a une autre catégorie de TikTokeuses comme les Fatou et les Jamila qui font leur business d'abord. Après, ils sont sur TikTok pour faire aussi la promotion de trucs. Je ne sais, je ne peux pas parler pour eux. Je ne peux pas mettre la main au feu pour dire que non, Fatou ne vend pas le piment. Ou bien, Jamila ne vend pas le piment. Ou bien, Kimi ne vend pas le piment. Je ne peux pas mettre la main au feu. Mais je sais que ceux-là, elles ont une activité. Okay? Là, alors, je ne peux pas mettre le... Parce qu'on dit souvent que les nuits, c'est quand ça sort qu'on sait que ça existe. Donc, je ne peux pas mettre la main au feu pour quelqu'un. Je peux parler, dire non, ce sont des bonnes filles. Jamila, je vois, c'est une bonne fille responsable. L'autre, Kimi, la même chose. Et je vois Fatou, non. Elle est une fille sage. Oui, son... Mais non, je ne peux pas mettre la main au feu. Ne mets la main au feu. Que si on trouve qu'il y a un nuit de ou bien tu vois que c'est ces filles-là vendent le piment, ta main se brûle. Je vais dire, laissez ma main là où c'est là. Je ne peux pas. Oui. J'espère qu'on se comprend. Je ne dis pas qu'elles vendent le piment. Mais je dis que je ne peux pas mettre ma main au feu pour crier haut et fort leur innocence. C'est ça. Pour moi, je sais qu'elles sont là pour faire la promotion de leur business et tout. Parce que ces récents événements-là, les Baltasar exposés, les femmes responsables, mon frère de ces femmes, la femme du ministre de quoi, quoi, la femme, mon frère. Tu peux me dire que c'est là, on peut entendre la gnasse dans le bureau. Je vais te dire que mon frère, tu racontes quoi là? Donc la vie, c'est, il faut faire très attention. La vie, c'est, on ne finit jamais de connaître les gens. C'est ce qu'on dit souvent. On ne finit jamais de connaître quelqu'un parce que, aïe. Donc Jamila, mais ce que là, c'est qu'il faut laisser les gens tranquilles. Si les gens ont choisi un mode de vie, pourquoi être là derrière? C'est parce que, je vous dis pourquoi, c'est parce que les gens, vous faites des gens comme si ce sont des gens parfaits, des modèles de vie. Et comme si peut-être vous voyez peut-être Jamila, elle est tellement jolie, ou bien Fatou vous dit que non, celle-ci, non, celle-ci pas aux toilettes, non, celui-là ne suis pas. Vous les faites comme si ce sont des gens parfaits, comme non, ce sont des êtres humains comme nous, comme toi. Ils ont seulement eu la chance que les étoiles brillent, elles sont plus fameuses que toi, c'est tout. Mais ce sont les êtres humains, donc ne les mettez pas trop là. C'est ça qui fait que vous, souvent, vous passez souvent le temps à les mettre la pression. Est-ce que c'est si? Il faut les laisser vivre. C'est ça. Écoutez, Jamila. J'étais de voyage même. J'ai voyagé bien avant d'être sur les réseaux sociaux. J'ai décidé seulement de présenter. Donc, je n'ai pas à justifier pourquoi je voyage.
à qui je dois justifier ça? Ça ne veut... Si je ne voyageais pas, là, on n'allait pas trouver de problème. C'est parce que je voyage que c'est bien qu'on trouve que c'est un problème. Où est le problème dans ça? Mais là, c'est moi, je vais venir vous montrer pourquoi je voyage. Donc, il faut me dire, de vous montrer comment je fais pour payer mon savon, pour payer mes sous-vêtements, alors, je ne comprends pas. Parce que ça aussi, c'est une dépense. Ou bien, je pense que chacun doit rester juste à sa limite et accepter qu'une femme peut travailler. Une femme peut toucher un salaire de 500 000, de 200 000, de 300 000, économiser, se faire plaisir. Une femme peut avoir des opportunités de voyage sans avoir ouvert les jambes. Ne confondez pas. Vous pensez que femme égale la jambe qui s'ouvre, donc si elle voyage, ça veut dire que c'est un garçon qui... Non. Un homme même peut te voir comme ça et puis te dire, toi, tu travailles bien, toi, ta mentalité me plaît, moi, je peux te soutenir, voilà, je vais t'amener à tant, 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 tant. Tu vas faire tel voyage pour ramener ça et puis ça. Vous, vous voyez juste... Parce que tout simplement, chacun est limité à sa manière. Arrêtez d'être limité. Plus tu te limites, plus dans le travail, tu es limité. Dans ta vie, tu es limité. Mais quand tu oses, tu vas aller plus grand. Parce que tu te dis, elle, là, elle ne peut pas faire ça sans garçon, là. C'est pour cela que toi-même, tu n'arrives pas à faire. Mais si toi-même, tu te dis que tu peux, là, tu vas faire plus qu'elle. C'est ça. Des cœurs, pour l'amour de Dieu, des cœurs. Des cœurs. Oh, l'école, t'as pas besoin de venir expliquer ici tout le temps. Oh, elle voyage beaucoup. Ça, c'est ce que vous voyez. Mais Jamila, qu'est-ce que tu peux envoyer comme message à ceux qui te harcèlent? Qu'ils continuent, je les aime. Jamila, je les aime, mais tellement. Parce que sans eux, là, moi-même, je n'allais pas me surpasser. Ouais, fort, c'est fort. Jamila, est-ce que tu as déjà vu avoir un commentaire qui t'a brisé le cœur? Avant, quand je n'étais pas immature, parce que quand je suis devenue immature, là, rien ne peut me stresser encore. Avant, ça me faisait mal. Maintenant, même, je n'ai même pas le temps d'aller. Moi-même, je n'arrive même pas à répondre à tous mes messages. Quand je vois un commentaire, même, soit il te bloque, soit je ne vois même pas. Donc, tout ce que vous mettez de méchant, là, ça me glisse sur la peau. Tu peux refaire ça, me glisse là, s'il te plaît. Ça me glisse sur la peau. Je n'ai pas le temps pour ça. Je suis occupée à réfléchir. Mon cerveau, ceux qui me connaissent dans la vraie vie, là, peuvent vous dire. Mon cerveau, il tourne. Même à 1h, 2h du matin, je peux me réveiller pour appeler. Jamila, tu peux dire ça, Moré. Tu peux dire ça, Moré. Niyarga. Non, Niyarga. Niyarga, ton truc là, ton Moré Yarga là, tu peux utiliser ça. De dire quoi? Genre, ça me glisse là-dessus là. Ça va te me mise, Zugo, te sort de ça. Vous suivez un peu, non? Est-ce que c'est l'affaire de Dessis, l'affaire de. On dit Dessis, Dashi, et l'affaire de. Comment on appelle Balthazar qui a exposé beaucoup de gens, juste comme il y a même les soupçons que Emma Loès est passée au Moulinex, dans son moulin, quoi. Est passée dans son moulin. Et Côte Amonchik est passée dans son moulin. Stéphanello, ce sont des soupçons. Moi, je n'ai jamais vu des vidéos. Depuis qu'elle voit les nuits de là, je n'ai jamais vu Emma Loès là-bas, ni machin. C'était les, ni Coach Amonchik. J'en dis, moi, je ne suis pas tombé sur ça. Ouais. Ah, j'aimerais bien voir, pour voir comment Emma Loès fait le ouais, voir comment elle bouge, ou bien voir comment la Coach Amonchik en train de faire le ouais. Je n'ai jamais vu, donc je ne peux pas vous dire que ce que les gens ont dit là, c'est vrai. Je ne peux non pas aussi mettre ma main au feu que ce n'est pas vrai, vous comprenez un peu. Je n'ai pas l'information, je n'ai pas cette information. Oui. Mais pourquoi les gens sont en train de faire cela à Jamila et les gens passent le temps aussi à faire cela à Fatou, au truc. Oh, les voyages, c'est parce que je me rappelle, Jamila avait voyagé, elle était en France, après elle était à Dubaï. Les gens disaient que quand elle venait de casser avec Tema, elle venait de finir avec Tema, on disait que non. Qu'il y a un sugar daddy, qu'il y avait les rumeurs, oui, les gens ont tué les rumeurs, c'est comme ça, c'est ça. Les rumeurs qu'un sugar daddy qui l'a sponsorisé, c'est lui qui paye ses voyages par-ci, par-là, machin, tout. Ah!
Tant que vous n'avez pas de preuves, et même si vous avez les preuves, c'est celle-là qui décide de vivre ça. Moi, si quelqu'un décide d'avoir peut-être son sugar daddy ou son truc, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Moi, mon problème, c'est quand tu veux montrer autre chose. Vous, les gens ne me comprennent jamais. Tu vends ton piment, tu dis que oui, je vends le piment. Où est le problème? Mais quand tu vends le piment et tu veux venir faire comprendre à la jeunesse que tu gagnes ton argent par l'influence, tu influences qui? C'est ça le problème. Ça, c'est une manière de dérouter les jeunes. Dis carrément que c'est le piment que tu vends. Là, je me dis, hey, le piment là. Mais ne manque pas aux gens que c'est l'influence. Parce que quand ils s'hasardent dans le truc d'influence là, maintenant, les propositions, comment on les met maintenant dans un cercle que. Ils commencent à vendre le piment, sans le vouloir même. Et se retrouvent, certains se retrouvent en train de vendre sans le vouloir. Beaucoup veulent, c'est vrai. Il y a, oui. Mais il y a certains qui se retrouvent là-bas sans le vouloir. Parce que vous les déroutez, vous les mentez, vous pensez. Vous faites croire aux gens que non, être influencé, ça donne l'argent. Oui, ça ne donne pas l'argent. Ça donne quel argent? Tu peux signer un contrat de gérer ici, par là, oui. Vous allez voir Emma louer, les contrats ici, machin, mais elle n'est pas tuée en location. Emma louer, oui, elle loue même, ne paye même pas. Ouais, il faut comprendre que l'affaire là, ça n'a pas l'argent comme vous pensez. Il y a des élites dans le monde ici. Ceux qui ont, ils veulent que c'est eux qui aient l'argent. Vous le restez là, vous pouvez avoir les miettes. Là, ils continuent à vous contrôler. Les filles comme les Emma louer, les machins là, ces petites célébrités là, on les utilise seulement. Elles sont là comme des jouets. Pour ces gens qui ont l'argent là. Tu vois un homme là, soit en disant, il regarde la télé, il dit, waouh, mais celle-là qui est son frère, c'est qui là? On l'appelle comment là? Oui, on l'appelle Malo, elle est jolie, je la veux. Oui, on équipe ce monde de pêche. On dit, hey, le boss te veut. Mais il y a 100 millions là, on dépose la malaise, 100 millions, et Malo, 100 millions. Même chose. Tu ne vois pas tout des influenceuses là. Je parle tout. Hein. Ce n'est pas que la Côte d'Ivoire. Vous pensez comme c'est que non, le Cameroun. Non. Que ce soit Cameroun, Gabon, Congo, tous les. Donc, je parle de manière générale. De manière générale. Ouais. Ce n'est pas parce que je prends l'exemple sur Emma Louest, c'est parce que, selon moi, ça peut être la plus. Ça peut être la plus fameuse de l'Afrique francophone. Hein. Oui, entre guillemets, je ne sais pas s'il y a d'autres. Elle et Emmanuel Keïta et certains, bon, deux ou trois autres. Coco Emilia, un peu, elle fait maintenant profil bas. Parce qu'avant, Coco Emilia était là aussi, sur le marché. Mais maintenant, elle fait profil bas, là. Et surtout quand elle a rencontré son diamantaire, là, qui ne fait que donner Goumeng, là, matin, midi, soir, là, ouais. Donc, elle fait un peu profil bas, là, ouais. Donc, c'est ça. Les gens seront toujours en train de poser des questions là, les filles. Donc, toi, tu sais, si Djamila, toi, tu sais que tu gagnes ton argent sincèrement et tout, mais tu n'as pas besoin de te justifier. Ou bien, même si tu gagnes ça avec le piment, tu n'as même pas besoin de te justifier devant les gens. Mais le problème, c'est le mensonge, c'est ce qu'on dit toujours. Dis-moi, je vends mon piment, où est le problème? C'est ça, c'est mon corps. Et la famille, on se prend à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous à sa pointe, surtout, ne mettez pas les oreilles.